Bonjour à toutes et à tous. En ce jour de rentrée, ce sont plus de 21 500 élèves qui prennent aujourd'hui le chemin des établissements scolaires français en Espagne, dans 23 établissements, accompagnés de 2000 personnels pour les encadrer. Comme conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Espagne, je souhaite une excellente rentrée scolaire à chacune et à chacun. Je pense aux élèves, bien sûr, qui vous apprêtez à travailler à de nouveaux projets, à faire de nouvelles rencontres, à acquérir des connaissances et une formation générale qui vous permettra, je l'espère, de devenir des citoyens éclairés du monde. Je pense à tous les personnels qui font vivre nos établissements avec talent et dévouement, qu'il s'agisse des équipes de direction, des personnels enseignants et non enseignants. Je veux aussi remercier chaleureusement les familles, pleinement mobilisées dans la vie de nos établissements, pour l'attachement qui est le leur à notre système éducatif et aux valeurs qu'il incarne. Grâce à l'engagement de l'ensemble de la communauté éducative, à son sens de la responsabilité, à son ambition, cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions possibles et je tiens à l'en remercier très sincèrement. J'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui rejoignent cette année le réseau d'enseignement en Espagne. Un nouvel établissement, l'École française internationale de Marbella, vient de l'intégrer. De nouveaux personnels de direction dans diverses villes, de nouveaux enseignants, de nouvelles familles qui sont arrivées en nombre dans certains lycées. Je sais pouvoir compter sur vous pour poursuivre la dynamique qui a été celle des établissements scolaires français en Espagne pour l'année 2021-2022, qu'il s'agisse des succès remarquables enregistrés aux examens de fin d'année ou de la multiplication de projets pédagogiques novateurs. Par ces résultats, vous faites notre fierté et contribuez au rayonnement de notre système éducatif à l'étranger. Bonne rentrée !